Les Stratoniens, j'espère que vous êtes tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'espère que vous avez passé un super samedi. On est tout de suite parti. Donc, on va analyser le Bitcoin, l'Ether, toute cette liste ici. Donc, on a un One Inch, Av, Avvax, Axe, Bake, Chili's, Dodge, Elf, FTM, Luna, PNT, Quantum, Reef, SFP, Solo, Solo, ouais, c'est Sol, Theta, UOS et XEM, donc NEM. Il y a des pépites là-dedans, donc on va regarder tout ça ensemble. Je voulais aussi vous remercier pour le concours. Donc pour l'instant, on est, je ne sais pas combien de personnes, on est plus de 700 dans la team et on est placé 4e. Donc on a bien dépassé ici les 5 et 6e. Donc je vous invite à aller voter tout simplement pour encore peut-être essayer d'aller chercher la place 3e. Maintenant qu'on est plutôt bien, je trouve, mais il faut quand même continuer pour qu'on reste dans le classement. On est susceptible en fait de gagner ici 16 000 $, donc ils seront en BNB divisés donc entre la deuxième jusqu'à la cinquième team. Donc ça veut dire qu'il vous suffit juste de rentrer dans la team, vous voter et vous allez recevoir des BNB au moment où ça va être distribué. Donc c'est plutôt cool. Ensuite, donc ça c'était pour vous dire, il y a le lien dans la description, donc n'hésitez pas à rejoindre. Ensuite ici, donc l'analyse pour le Bitcoin, on est tout de suite parti. Plusieurs analyses pour moi. On a cette magnifique épaule, tête et puis épaule ici qui est en train de se former. Donc ici, épaule, tête et puis épaule. Maintenant, il faut, pour qu'elle soit confirmée, il faudrait qu'on break et qu'on clôture en 4 heures en dessous. Je pense que si on clôture en 4 heures en dessous et qu'on revient faire un pullback ici, j'ouvrirai un short tout simplement. Mais tant qu'on ne casse pas par le bas, il n'y a rien de bear tout simplement. Et aussi, je voulais vous montrer, il y a The Moon qui a dit qu'ici, il y avait une grosse épaule, tête, épaule. Pour moi, franchement, je ne peux pas trop la compter parce qu'elle est très, très moche. Tout simplement, ici, on a cette ligne de coup qui est ici. Et si on fait un copier-coller et qu'on la reporte un peu plus bas ici, ça a du mal à jouer, à part si on la met ici. Mais ce que j'ai vraiment du mal, c'est vraiment cette zone ici. Il aurait fallu quelque chose de très propre comme ici. Donc là, c'est extrêmement propre. Par contre, ici, on fait vraiment... Donc si on prend en plus cette épaule, donc ça fait vraiment... Après, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend. Et là, il faudrait venir rechercher la zone des 52 000 pour break, revenir à faire un top et repartir. Donc, mine de rien, elle tient la route. Elle n'est pas très jolie. On verra tout ça. Maintenant, ça dépend vraiment du Bitcoin par où on va péter, si on va aller chercher... plus bas ou pas, et si on clôture en dessous ou pas. Donc je pense que là, pour l'instant, c'est vraiment en zone d'indécision, tout simplement. Je voulais vous montrer aussi donc cette petite analyse qui, pour moi, est très pertinente. Donc, petite montée ici en ABC, hop, ici on corrige en ABC. On nous forme un petit W ici, on casse cette trendline. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on revient former un W en fait derrière cette trendline. Donc maintenant, je voudrais vraiment que ça tienne et qu'on vienne chercher ici la zone des 49 300. Si on traverse, pour moi, ça va vraiment passer bullish. On attendra un petit retest et là, ça va vraiment, pour moi, ça sera reparti. Mine de rien, avec cette target ici que j'ai oublié de vous montrer, si on la prend en compte... Si on break, tout simplement, ça nous amènerait sur la zone des 42 000. Donc, hop, ici, on arrive sur les 41 900, 42 000. Donc, on arriverait pile sur l'ancien top ici, à ne pas négliger. Donc, target pour cette épaule, tête épaule, si elle est confirmée. Donc, je dis bien si elle est confirmée. Je pense qu'on a fait le tour. Je voulais aussi vous montrer une petite analyse donc, de Crypto Capo qui avait fait ça. Cette analyse, ici, lui, il a dit qu'il allait acheter cette confirmation ici. Et pour moi, on est clairement dans sa zone. Donc là, on est dans la zone des 47 000 à 47 400 à 47 300. Et on est exactement revenu sur ce qu'il a dit. Donc ici, 47 200, 47 000. On est même descendu à 47 000. Donc pour moi, cette zone ici, selon Crypto Capo, pour moi, elle est très pertinente aussi. De plus, si on passe en 15 minutes, ici, on peut voir qu'on a peut-être formé un petit W. Donc, pour l'instant, on est venu clôturer au-dessous. Donc, au-dessus, donc c'est plutôt bullish. Maintenant, je voudrais vraiment voir que ça tienne et qu'on puisse repartir par le haut. J'ai vraiment l'impression, regardez, sur ce genre de pattern, c'est on va vraiment dans ce genre de pattern. Ici, on crash, on monte en espèce de bull flag, ensuite on dump et là ça a été bien racheté, donc ici on pourrait dire que c'est bien racheté, pourquoi pas revivre encore un dump et ensuite repartir. Quand on rachète comme ça, c'est plutôt
plutôt pas mal, je trouve. Et puis, si on passe ici en une heure, on peut vraiment analyser que ici on a plein de petits bull flags. Donc, un petit bull flag, un petit bull flag. Il y a aussi un petit bull flag ici. Ici, on a un petit bull flag à l'envers. Donc, maintenant, j'ai pas l'impression qu'ici on est sur un bull flag. Donc, à voir. Et ici, il pourrait nous former ce magnifique W. Moi, ça me va. Donc, pour les plus optimistes, pourquoi pas hein, rentrer ici. Après, hein, c'est compliqué, c'est risqué, hein, je ne dis pas le contraire. Mettre votre stop juste ici en dessous de ces anciens sommets, anciens bas. Ou même, vous pouvez les mettre à ras les pâquerettes ici, donc sur la zone des juste en dessous des 47 000, pourquoi pas. Et ensuite, tout simplement, déjà viser le top ici. Donc, on a un petit ratio de 7. Ça se prend et ça se tente, mine de rien. Ensuite, on va parler de l'Ether. Donc l'Ether qui est plutôt boule ici, magnifique. Il revient nous faire un joli creux de l'autre côté de cette trendline. Si on passe ici, il nous fait un magnifique creux de l'autre côté de cette ancienne trendline. Ici, à ne pas sous-estimer cette épaule non plus. Donc ici, on en a une très jolie aussi. Donc tac. Et ici, on fait épaule, tête et puis épaule. Donc maintenant, on va voir si on casse par le haut. Bon, bah ça sera. Ça tombe à l'eau. Par contre, si on vient break ici la zone des 1460, bah, tout simplement, ça va nous enclencher cette épaule, tête, épaule. Et puis, on va regarder jusqu'où ça va nous pousser. Donc, hop, hein, je fais à l'œil, plutôt moins. Revenir là. Non. On déplace ça. Boum, ça nous amène sur la zone des 1290, donc 90, tout simplement, ici pour l'Ethereum. Donc, maintenant, je pense que j'ai l'impression qu'il est en train de se détacher. Regardez, il prend 3% alors que le Bitcoin prendre moins 2%, je pense que c'est intéressant d'aller voir Ether contre le Bitcoin ici qui est clairement en train de pumper. On a peut-être trouvé un bottom ici pour cette charte. Donc l'Ether par rapport au Bitcoin qui pourrait essayer de continuer à décoller. Regardez, le Bitcoin perd donc le market cap de toutes les cryptos avec le Bitcoin. Il est plutôt en perte et ici on est plutôt neutre, donc les alts compensent, donc c'est plutôt intéressant ce qu'il est en train de nous faire. Et mine de rien, pour moi l'Ether c'est extrêmement boule. Peut-être même si le Bitcoin crash, hein, l'Ether peut tout simplement partir lui en bull run. Et je pense que s'il lui part, bah, les alts vont partir aussi et laisser le Bitcoin sur le côté, pourquoi pas, hein. C'est une solution, c'est une hypothèse comme on dit. Ensuite on va check tout ça, donc one inch qui nous a break ce triangle par le bas. Mine de rien on est en train de fermer un petit W ici. Est-ce qu'on va pas repartir par le haut? Ça serait très intéressant. On est sur un gros support des 0,5. Ensuite, on a AAV qui nous forme aussi un magnifique petit W. Il est clairement en train de nous le former. On est revenu sur la zone 0,618. Maintenant, plus qu'à casser cette trendline. Ensuite, AVAX. AVAX, on a cassé cette trendline. On nous forme un espèce de range ici. Donc maintenant, à voir. Soit on casse par le haut et ben on repart clairement en direction de cette zone ici des 29-30, soit on break par le bas et je pense que là tout simplement c'est vraiment un petit former tout ça et on pourrait refaire la même chose ici. Donc pourquoi pas aller chercher un nouveau plus bas, etc. etc. Donc ça c'est pour notre cher ami Avax, mais pour moi ça reste bullish. Hein. On casse une trendline, on nous forme pourquoi pas un W. Ça reste très très boule pour moi. Donc on va suivre ça avec très avec beaucoup de comment dire avec beaucoup d'attention parce que ici ça commence vraiment à se compresser sévère. Ici on avait formé un petit triangle, je pense que tout simplement on va tout simplement mettre un range, ça va me sembler beaucoup plus logique ici. Donc soit on pète par le haut, soit on pète par le bas et ça nous indiquera la direction pour AVAX. Ensuite on a AXE, donc AXE qui je pense est encore bear. Je le vois bien redescendre encore un petit peu, chercher vraiment cette zone ici des 0,382. Pour l'instant, on est venu mécher les anciens tops, donc ça reste bullish. Mais pourquoi pas nous faire encore une petite dernière mèche pour ensuite repartir ici et venir chercher cette zone. Donc je vais faire un petit rectangle, hop, par ici. Donc je dirais de la zone des 2,32 à 2,25. Ensuite, on a Bake, donc Bake qui est toujours sous cette trendline ici, donc c'est plutôt intéressant. Et là, vraiment, on est en train de se frotter à la zone des 0,618. Donc, comme je dis souvent, quand on revient sur la zone des 0,618, ça peut repartir. Mine de rien, on est clairement en tendance baissière, donc il faut faire attention. Mais ça peut très bien se payer ici, hein, les 0,618. Regardez, pourquoi pas en mettre un petit setup ici. On rentre sur la zone des 0,618. Imaginons, on rentre maintenant. Je vais vraiment prendre des.
On vient mettre un stop juste en dessous si on veut que ce petit W qui est en train de se faire se concrétise. Donc on ne veut pas qu'on aille chercher un nouveau plus bas, tout simplement. Et ensuite ici, vous mettez votre TP tout en haut. Là, ça peut très bien se faire. Donc on a presque sur une target de 50. Donc c'est plutôt intéressant ici. Pourquoi pas voir une petite sortie pour Bake. En tout cas, à analyser. Ensuite, on a Chiliz. Donc Chiliz, hier dans le live, on s'est dit, allez, on s'amuse à short. On a essayé de shorter Chiliz. Donc on était rentré juste avant cette grosse bougie. Donc si, voilà, on était rentré pile ici. Ensuite, on a eu ce méga pump. On est sorti de cette trendline. J'espère que vous avez pris 2-3 profits avant qu'on chute et que vous avez monté votre stop. Donc souvent, moi, dès qu'on monte en profit, ce que je fais, je monte mon stop à zéro, souvent même au-dessus. Et puis je laisse tourner, je prends 2-3 profits et puis je laisse tourner. Donc pour moi, on a break par le bas. Pas de divergence, il n'y a rien pour l'instant. Donc sur Chiliz, pour moi, ça reste clairement bear. On va mettre un petit indicateur ici. Ça a été break. Donc vraiment, prochaine zone, pour moi, ça sera ici la zone des 0,95. Si on tire un petit Fibo depuis ici à ici, on a la zone ici des 0,5. Pourquoi pas même revenir plus bas, donc vers la zone des 0,08. Mais on va regarder dès qu'il y a une divergence. Je pense que ça pourrait se retourner. Très beau M qui s'est formé là-haut. Donc intéressant pour moi ici, pour notre cher ami Chiliz, peut-être en 4 heures. Ouais, vraiment 4 heures, revenir sur cette petite zone, ce petit aller-retour, revenir sur cet ancien top ici, me paraissent plutôt pas mal. Ensuite, on a Dodge. Donc Dodge qui bouge pas. Il est toujours là. On est vraiment en train de faire 3 creux, toujours les uns plus haut que les autres. Donc tac, tac, tac. Si maintenant on venait à break cette zone, je pense que ça serait intéressant de rentrer ici sur Dodge. Tout simplement, ça veut dire que on va enclencher une tendance haussière et contrer cette tendance baissière. Ensuite, on a Elf. Donc, hop, on va passer en weekly. Ici, ouais, c'est propre aussi. Merci à celui qui me l'a dit parce que c'est très très propre. Ici, regardez, on est revenu pile sur l'ancien top et là, on repart. Franchement. Pour du long terme, etc., pour des investissements en spot, etc. Là, les amis, ça peut clairement se faire. Je crois que vous pouvez le trader contre du Bitcoin seulement. Donc, je pense que ça vaut le coup. Pourquoi pas d'en avoir un petit peu. Si on tire ça jusqu'ici en haut. Attendez. Hop. Jusqu'ici, allez. Petit x 10. Donc, plutôt intéressant à prendre. Ensuite, on a FTM. Donc, FTM qui nous a fait des bougies de l'enfer ici en weekly, comme on peut le voir. Maintenant, est-ce qu'on ne serait pas en train de venir corriger toute cette méga hausse? Ici, ça me paraît assez intéressant. On a la zone des 0,618 un peu plus bas, donc pourquoi pas venir chercher un peu plus bas. Mais tout simplement, tant qu'on reste ici, donc vraiment on essaie de... Attendez, que je réfléchisse un petit peu. On est sous cette trendline ici. Si on la pète par le haut, je pense qu'on peut clairement enclencher un nouveau bull run par le haut. Tout simplement repartir bien par le haut. Par contre, si on vient à break, je pense qu'on ira beaucoup plus bas. On pourra pas aller chercher la zone des 0,27. Ici, on a la zone des 0,35. Ça se fait aussi, venir chercher beaucoup plus bas. On a ici ces deux petites languettes jaunes qui nous dit qu'on est sur un gros support ici. Donc intéressant, pour l'instant, on maintient. On a une divergence ici, ouais, c'est plutôt bull, hein. Mine de rien, sur du long terme, c'est plutôt en weekly, c'est plutôt bear si on vient à break le M top, tout simplement break par le bas. Mais ici, mine de rien, ce que je voulais quand même vous montrer, c'est ici, on a une petite divergence. Regardez, le cours qui monte et ici, c'est plutôt plat. Si on prend les bougies clôturées, hein, bien sûr, c'est vraiment plutôt plat. Donc pour moi, c'est plutôt encourageant ici pour FTM, mais je ne rentrerai pas avant un break ici. Ensuite, on a Luna. Alors Luna, je sais que j'avais mis une target beaucoup plus basse, voilà. Donc pour l'instant, je crois qu'il n'est pas prêt à vraiment bien corriger. On avait break, mine de rien, cette espèce de canal ici, ce biseau ascendant. Donc on va tout simplement... Donc pour l'instant, on est venu pile sur une résistance. Regardez, on est venu pile clôturer à ras les pâquerettes de ces deux mèches. Donc ça, je vais tout simplement le reporter. C'est ça que je vais faire, hop. Tout simplement reporter ce Fibo ici, mettre ma target ici vers la zone des 0,618, donc vers la zone des 3,65. Et puis si on tire ça aussi, c'est plutôt encourageant parce que... Attendez, attendez, attendez. Pas que je vous dise des bêtises.
On pourrait tirer cette trend line ici et puis aussi celle-ci, hein, qui est pour moi sont très intéressantes. Ça veut bien le faire. Hop. Et un break par le haut, ça nous annoncerait vraiment une hausse encore. Ensuite, PNT. Donc PNT, toujours autant bullish. Vraiment, on est revenu vraiment sur ses anciens tops. Ici, je pense que c'était en 4 heures que j'ai fait ça. Voilà. On est vraiment revenu sur ses anciens tops. Maintenant, si on vient break ici, cette zone des 1,55, je pense que ça peut largement se payer pour PNT. Ensuite, on a Quantum. Donc Quantum, excellent target si on y revient, si on revient sur la zone des 5, 5,90, 5,70. Revenir sur cette zone me paraît une excellente zone pour un long. Si on y revient, bien sûr, pour l'instant, j'ai pas trop l'impression qu'on veuille y revenir. À voir. On va suivre ça avec aussi intérêt, mais pour moi, c'est très bull. Ensuite, on arrive donc RIV. On est revenu faire le retest sur les anciens tops, comme je l'avais dit. Vraiment, c'était une excellente zone d'achat ici. Et maintenant, je pense qu'on peut tout simplement continuer à monter sans souci pour FTM. Ensuite, SFP. Donc SFP, on va tirer une petite trendline à partir de là. Hop. Donc regardez ici comme c'est propre. Gros break. On revient faire un retest. On nous forme un W ici en cassant la tritest. Pour moi, c'est boule, hein, ce genre de pattern, c'est très très boule, les amis. C'est très 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 boule. On revient sur la zone des 0,618. Ok, bon bah les gars, je sais pas qu'est-ce que je voulais que je vous dise, mais c'est pas plus simple que ça, quoi. Tout simplement. Donc peut-être mettre une petite, je vais vous aider. S'imaginons, on rentre ici. Mais pour du long terme, là, c'est tellement boule. Mettre un stop ici, je dirais. Et puis ici, je pense qu'on peut clairement viser le haut de la mèche, hein, sans souci. Petit ratio de 16. Ensuite, on a Sol. Donc Sol qui a ces deux trendlines ici. Je voudrais vraiment voir casser cette trendline pour vraiment, pourquoi pas rentrer sur Sol. Mais on est, mine de rien, dans une pattern ici extrêmement bullish, selon moi. Petite divergence ici, petite, même grosse divergence, hein. Regardez. Ici, on nous fait vraiment un beaucoup plus bas. Et puis, ici, sur le RSI, on est en train de monter, donc en une heure. Plutôt encourageant ici pour Sol. Je voudrais vraiment voir un petit break par le haut ici de cette trendline, un petit retest. Et je pense que je serai dans la course. Ensuite, Theta. Donc, Theta, il est revenu pile sur la zone des 0,382. Je crois qu'on est en 4 heures. Ça me semble. Ouais, voilà. En plus, même, regardez, on est revenu pile sur cette petite languette jaune ici. Donc, revenir tout simplement. Vous n'avez même pas besoin de cette languette jaune. Si on l'enlève, c'est pas sorcier. Vous avez juste besoin de regarder. Ah, on est revenu où? On est revenu sur les anciens tops. On est revenu vers la zone des 0,382. Tout simplement. Donc, pour l'instant, très encourageant, notre cher ami Theta. Il pourrait tout simplement repartir depuis là. Et puis si on passe en une heure, c'est plutôt encourageant ce genre de petite pattern ici. Donc on nous forme, si on descend encore plus en 15 minutes, on nous forme un petit W et ensuite on repart. C'est boule, c'est boule, c'est boule. Ensuite on a UOS. Alors, on va déjà passer en weekly parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas été le voir. Au magnifique W ici en weekly. Ici on a fait un beau pump and dump. Et là on repart. Donc là, une clôture au-dessus, ça sera très très bullish ici pour UOS. Ah, c'est boule, hein. C'est boule, c'est très boule ce qu'il nous fait. On va tirer un petit fibo depuis ici à ici. On est revenu pile sur la zone 0,618. On est en train de latéraliser en dessus de l'ancien top. Donc, si on tire un petit support ici, on est clairement en train de stabiliser au-dessus de l'ancien top. Donc, ça reste très très boule ici. Et ensuite, on a XEM. Donc, NEM qui est aussi revenu faire un petit pullback sur l'ancien top. Je dis ça, je dis rien, on est revenu sur la zone 0,5. Ça me paraît plutôt bullish ici pour notre cher ami XEM. Surtout que en une heure ici, vous voyez bien, on est bien revenu tester ces anciens tops. Et c'est surtout cette ancienne ta séance qu'on a pu voir ici. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc maintenant, on va regarder les yeux rivés sur le Bitcoin. Qu'est-ce qu'il nous fait? Est-ce qu'il va nous former cette épaule tête épaule ou pas? Est-ce que tout simplement on va partir et nous former ce magnifique W ici? Est-ce que l'analyse de Crypto Capo sera bonne? Parce que lui, il a dit Give me this bullish confirmation et je suis all-in. Donc voyons voir si je pense qu'il déjà il doit être all-in. Hein. Je pense qu'il doit tenir sa parole. Et tout simplement, je pense que ça peut vraiment partir à partir de là. Même si on a cette formation, tant qu'on ne break pas par le bas, rien n'est sûr. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve ce soir à 21h pour un petit live. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. Ciao tout le monde!